Mahrez, moi je rentrerai pas dans ce truc-là. Non, je rentrerai pas dans ce truc-là. C'est tout le respect que j'ai pour le joueur Boutelica et pour l'homme. Hein, et pour l'homme, lui, il a une position, j'en ai une autre. Je ne me placerai pas dans ce truc-là. L'année dernière, il a marqué 24 buts, Riyad. Il a joué en club régulièrement, très régulièrement. Et je crois qu'il est le meilleur buteur du club la saison dernière, ou au moins de Champions League, je crois. Toutes compétitions confondues. Donc voilà, donc il vient de signer un nouveau contrat. Il n'est pas à son top maintenant. Il le sait, on a eu des discussions. Il traverse une phase difficile qui s'explique, qui ne s'explique pas. Il y a des choses rationnelles, d'autres pas. Donc à lui d'inverser la tendance. On a beaucoup vu ça chez lui. C'est un éternel sujet de conversation parce que ça a été le joueur entre guillemets emblématique de la sélection. Nous, on l'a jamais traité comme ça en sélection, à l'intérieur du groupe. Il sait la position qu'il a, il n'y a pas de problème, mais il a été toujours traité de la même manière que les autres. Mais c'est un joueur qui peut donner beaucoup, c'est un joueur qui n'a pas été à la hauteur des attentes sur toutes les dernières sorties en sélection nationale, il le sait parfaitement. Il avait vraiment envie d'être à ce stage-là. Pour lui, c'est une bouffée d'oxygène, l'équipe nationale. Tant mieux que ça soit ça. Tant mieux que personne. Je ne voudrais jamais qu'un joueur vienne à reculons en sélection. Si tu n'es pas pleinement satisfait et tu n'as pas cette envie de rejoindre cette sélection, ben tiens, on revient sur les critères. C'était là. C'était ce. Donc, Ri, t'es plus avec nous. Donc, on revient sur ta question et les critères. Donc, ça, c'est un des critères de venir. Venir avec beaucoup, beaucoup d'envie, beaucoup de. Voilà, l'envie de venir porter ce maillot de la sélection. On va jouer au rang, ça fait très longtemps qu'on n'a pas été là-bas. Qui ne voudrait pas venir comme ça je ne sais pas, des fois j'explique quelque chose, notamment les joueurs, ceux qui ne connaissent pas. J'espère de leur transmettre ce truc-là, parce que je dis attention ce que vous manquez, attention le temps passe, attention ce que vous manquez. Et bon, des fois ils le ressentent, des fois peut-être qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas réceptifs à ça. Lui, je sais en tous les cas que Riyad, il a envie de revenir en sélection et de briller et tout ça. Il traverse un moment difficile. Je pense pas que la meilleure des choses, ce soit pour un joueur comme lui, de lui mettre la tête dans l'eau, et plutôt de le relever, plutôt de lui dire, voilà, on sait ce que tu es capable de donner, on sait ce que tu nous as déjà donné, tu es encore capable de le faire, il faut le faire.